Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire passer deux messages avec l'oracle du soleil ici et l'oracle du chakra cœur. Je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque message. On me dit que vous avez le choix de l'oracle. Il est possible aussi que vous soyez attiré par les deux. Donc j'en appelle à votre guidance personnelle. On me dit que pour certains, les messages seront une confirmation, pour d'autres, une révélation. Si des personnes souhaitent me contacter, vous avez dans la présentation de la chaîne toutes les informations nécessaires pour réserver votre guidance en ligne. Et la consultation se fait par téléphone ou WhatsApp audio si vous êtes dans les dom-toms ou à l'étranger. Je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables. J'entends par là que si je parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître soit la personne du cœur, soit quelqu'un de votre entourage familial, amical ou professionnel éventuellement. Je vous laisse remettre les choses à leur bonne place. Et on me dit qu'on commence par l'oracle du chakra cœur. Ici, on parle de personnes stressées. Alors désolé si vous entendez du bruit, j'ai une mouche qui s'est invitée. Ici, on me parle de renoncement. On me parle d'un homme seul. D'un homme, si vous voulez, qui ferme volontairement les yeux, on me dit, sur ses erreurs du passé. On me parle aussi d'auto-jugement par rapport à cet homme. Et je ressens une femme seule, je ressens vraiment des personnes dans la quarantaine, des femmes assez brunes comme ça. Je ressens qu'on a souvent les cheveux sur le côté, sur un côté de l'épaule. On me parle vraiment d'abandon par rapport à cette femme. Je ressens ici quelqu'un qui n'est pas prêt pour le moment à l'engagement. Il est possible vraiment dans certains cas que cette personne soit déjà en relation. Vous voyez, parce que j'ai cette notion de mensonge, de quelqu'un, si vous voulez, qui vous a fait miroiter quelque chose, mais qui n'est peut-être pas la réalité. Qui vous a avancé comment dire, certaines informations, peut-être sur un célibat ou une disponibilité, mais on me dit qu'il n'y a pas d'engagement de la part de cet homme-là. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de blocages. Mais ces blocages sont vraiment dus à vos vies antérieures. Et si vous voulez, ces blocages ont laissé, comment dire, une pollution énergétique assez conséquente. Et c'est ce qui est à l'origine aussi, là, dans certains cas, de la désunion. Vous voyez, je vois deux personnes qui se tournent le dos. Il y a un karma à dépolluer, si vous voulez, dans cette histoire. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes. Ici, j'ai vraiment l'impression que des femmes ont l'impression d'avoir été abusées. Vous voyez, c'est comme si on parle vraiment de propositions charnelles. C'est comme si on vous avait avancé quelque chose et au final, bah, ça n'est pas ça.
Ici, on me dit que certaines personnes doivent apprendre à lâcher prise. Parce que j'ai une dépendance, on me dit karmique, mais une dépendance affective à cette personne. Et j'ai vraiment aussi, si vous voulez, cette notion de chaîne. Et on me parle de travail énergétique par rapport à cette dépendance. Alors, je ne sais pas comment ça a été orchestré. On me dit un travail fait par autrui. Un travail fait par autrui dans une vie, si vous voulez, qui a bloqué la relation, créé beaucoup de pollution et en même temps, j'ai cette dépendance énergétique, si vous voulez. Donc j'ai des femmes ici qui se retrouvent seules, qui pensent à l'être aimée, mais on me dit qu'il ne vient pas. On me dit qu'on passe beaucoup de temps seul à la maison. Peut-être qu'on a un travail, alors soit du télétravail ou un travail par le biais des réseaux, tout ce qui est ordinateur. On me dit beaucoup de temps chez soi. Là, j'ai des femmes qui pensent à des projets d'avenir, vous voyez, mais plus de la concrétisation au niveau d'une maison, d'équilibre au niveau d'un foyer stable. Ici, je ressens qu'il y a la possibilité de faire une autre rencontre. On me dit une autre âme sœur. Et je ressens vraiment la nuit par rapport à cette rencontre. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé. J'ai à minima cette notion, si vous voulez, de croisement. On me dit que vous avez déjà frôlé cette personne. On parle aussi de bébé. On parle aussi de bébé par rapport à cette nouvelle rencontre, donc possibilité de construire quelque chose. Et j'allais dire que j'avais l'impression que c'était une relation gémellaire, on me dit miroir. Pour moi, si vous voulez, il y a plusieurs jumeaux. Donc il y a tout ce qui est flamme jumelle. Et âme jumelle. Alors pour moi, âme jumelle, ce sont des âmes d'un même noyau, entre guillemets, d'un même cocon. On parle aussi de jumeaux karmiques. Après, je pense que vous pouvez vous documenter et trouver des choses sur Internet. Encore une fois, enfin, les avis divergent. Je vous laisse faire vos recherches et faire votre propre opinion de la chose. Mais en tout cas, j'ai un lien de gémellité dans cette relation. Dans la nouvelle relation, là, qui est possible et qui se fait sur la nuit. Et où j'ai l'impression qu'on s'est déjà croisé. On me dit de vue, pas nécessairement de parole entre les deux. Et on me parle de l'hiver pour cette deuxième rencontre là possible. Ah, on me dit dans certains cas l'été, dans d'autres l'hiver. On me dit l'été n'est pas encore fini. Et on me dit qu'on a terminé pour ce premier message, on passe au deuxième.
Alors ici, on me parle de lien gemellaire encore. Et on me montre le chiffre, vous voyez, 2-2, pour me dire semblable. Et on me montre une couronne. Et on me montre aussi des bracelets rouges. Peut-être de la cornaline. Et une pierre verte aussi. Alors, dans certains cas, on me dit qu'on a déjà ces bijoux et dans d'autres cas, ce sont des minéraux à acheter. Et les minéraux à acheter sont pour des hommes seuls, on me dit. Et on insiste sur des baskets rouges. On me dit des pompes rouges. Ici, on insiste vraiment sur le mot manque. Je ressens des hommes ici épuisés, on me dit genoux à terre. On me dit qu'on a beaucoup joué, beaucoup prié. Ah, j'ai le sentiment ici qu'il y a une émotion qui ne passe pas. Vous voyez, une émotion de colère. On me dit une effusion. Mais parce qu'on a été trompé. Trompé par un entourage proche. Vous voyez, c'est cette notion où il y a quelqu'un, on me dit, qui vous a manipulé. Mais une personne, si vous voulez, on me dit qu'on ne s'y attendait pas. D'une personne comme ça qui se voulait un peu reluisante. Ou bien sous tout rapport, comme ça. On me dit vraiment que cette personne vous a harponné. Hein. En plus, j'ai vraiment cette notion où on n'avait pas de doute par rapport à cette personne. Parce que, si vous voulez, on me dit semblable. Mais semblable en quoi? On me dit dans les gestes, dans les mots. Mais on me dit que c'était une ruse. J'ai vraiment cette idée, si vous voulez, que cette personne faisait bien sous tout rapport. Vous voyez, pas quelqu'un qui aurait une mauvaise vie ou une mauvaise apparence. On me dit vegan. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui prend soin de son alimentation. Parce qu'on me montre beaucoup de verre. On vous dit quand même de décharger votre colère parce que ça vous pourrit de l'intérieur. Et attention à la tension artérielle. On vous dit vraiment qu'on souhaitait vous mettre en lumière en cet aspect-là, cet aspect relationnel. Et on insiste sur le chiffre 19. Je ressens aussi des gens qui se sont épuisés. Ou qui se sentent épuisés. Beaucoup de pleurs aussi. Hein. Beaucoup d'émotions. Et on vous dit de libérer tout ça. Alors, on vous dit que vous pouvez vous aider soit des huiles essentielles, soit des fleurs de Bac pour vous aider à alléger cet émotionnel. Donc on vous laisse regarder, vous documenter par rapport à ça. En ce moment, vous êtes vraiment en phase de reconstruction. Et c'est pour ça que vous devez être en retrait. Peut-être que certains le sont déjà. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un à distance, enfin, quelqu'un qu'on a dans le cœur, mais cette personne est à distance.
Et là, vous êtes en train de réparer tous les préjudices subis par cette tromperie-là. On me montre qu'il y en a eu plusieurs. Et vous voyez, j'ai cette image où ce travail se fait un peu à la chaîne en ce moment. Donc ça carbure pas mal. Vous voyez, on me montre que tous les préjudices attendent d'être transmutés les uns à la suite des autres. Et pour moi, c'est surtout en lien avec cette personne du cœur à distance, hein. Parce qu'on me dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie par rapport à ce lien, mais aussi au fait que vous puissiez avancer dans votre propre vie. Et on me rajoute encore cet aspect matériel, vous voyez, de gain qui pouvait intéresser autrui. Et là, je ressens qu'il y a pas mal d'artistes, de personnes dans la trentaine aussi, là, dans ce message. On me dit vraiment que c'est un coup de machine à laver pour épurer toutes ces émotions qui se sont... qui se sont emmagasinés dans votre corps et dans votre esprit aussi, et libérer aussi cette colère due à cette trahison. Alors, on me parle vraiment de l'été prochain, je sais que ça fait long, mais on me dit que c'est un temps de guérison nécessaire. Alors, vous allez quand même sortir, comment dire? On me parle vraiment de l'été prochain pour une guérison complète. On me dit qu'on a déjà amorcé le changement, mais qu'il reste, si vous voulez, encore comme ça des choses à travailler, à nettoyer, à transmuter, que ce soit par le biais des émotions ou des prises de conscience. Donc d'accueillir. Ici, j'ai des personnes qui se sentent faibles. On vous dit que vous n'êtes pas faible, que ça fait partie du processus de libération. Et on me redonne encore cette idée où il faut déposer votre masque. Alors, je ne sais pas si certaines personnes jouent de la musique, mais on insiste vraiment sur un instrument de musique. Et aussi de mettre beaucoup plus de fleurs chez vous pour vous apporter des énergies bienfaisantes. Et on vous dit aussi que ça peut vous aider à transmuter ces énergies négatives. Donc de les choisir avec soin. Et on vous donne entre autres l'aloe vera. Et on me dit qu'on a terminé pour ce deuxième message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont dans la présentation de la chaîne. Merci pour les personnes qui partagent les tirages, pour les personnes qui font des retours aussi sous les vidéos et les personnes aussi que j'ai en consultation privée. Voilà, merci encore et puis on se dit à bientôt.